Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'est Delkinou. Il s'agit de la découverte de They Bleed Pixels, un jeu qui m'a été offert par Lumi. Il y a très très longtemps, à l'époque où il ne s'appelait pas encore LumiCode. C'est aussi Lumi qui a dépensé 50 000 candinou pour pouvoir faire la découverte en avant-première. Ou plutôt mettre le jeu en haut de la file d'attente, de la pile de jeux à faire. Donc on va voir ce que ça donne. Puis merci énormément Lumi. Alors, il y a une intro quand on démarre le jeu, et c'est bien fait, le jeu fait bien les choses, c'est-à-dire que l'intro est disponible directement ici, donc on va regarder ça rapidement. Et c'est parti. Voilà, alors malheureusement le jeu a une résolution un peu étrange, c'est pour ça que j'ai pas pu supprimer toute l'interface comme d'habitude. Mais bon, ce n'est point grave. Ok, allez, c'est parti. Donc ça, je crois que c'est un jeu à rage à mon avis. Alors on a plusieurs difficultés. Standard, donc le jeu n'est pas en français, donc je vais traduire quand nécessaire. Donc difficulté standard, difficulté plus élevée. Des niveaux plus longs pour les joueurs qui sont expérimentés, on va dire. C'est le seul mode qui permet de débloquer le niveau final. On peut gagner tous les badges. Et là, novice, facile, plus facile, plus les niveaux sont plus courts. Ça donne une bonne base pour la difficulté standard, blablabla, blablabla. Donc ouais, on va faire standard, hein, on va se faire chier. Enfin, on va dire, on va se faire chier. C'est ça qui est cool. A young lady's guide to the fighting arts with a short digression into the occult usage of save seagulls. Wow, pas besoin de traduire ça. Alors, c'est joli, hein. C'est la classe à Dallas. Ok. Ah non, faut que je... Ok, d'accord. Cool. C'est bourrin, ça fait aussi jeu d'horreur, hein. Ça pourrait être fait pendant un mois de l'horreur, ça. Stabbing is functional, we won't get you combo points for style, avoid button mashing there. Enfin bon, effectivement, ok. Ok, donc apparemment, on peut avoir des... En fonction de la façon dont tu tues les monstres, on a des points, on a plus ou moins de points. Le premier rêve, prologue. Ok. Mais je viens de le faire, ça. Mais je viens de le faire. Pourquoi tu veux que je le refasse? Il a fallu que j'aille en bas, peut-être. C'est Midgirl, ouais, peut-être. Ah voilà, prologue. Oh, bon alors je vais tenter ça. Voilà, c'est mieux en fait. J'aime beaucoup les graphismes en tout cas. My visions faded and I saw again only the evil moonlight, the brooding desert, and the spreading tumulus of Paleolgian masonry. Ça vient de Lovecraft.
Je ne vous traduirai pas ça parce que lol. J'essaie de remonter un petit peu la qualité pour voir. Hop. On fait petit à petit. Voir ce que ça donne. Ok, alors hop, pour sauter, d'accord. Donc, donc ça a un petit peu un petit peu le trip Lovecraft apparemment. Ok. Il y a du double saut, d'accord. Ok. Ouais, ça fait un peu. Ça fait un peu Meat Girl, ouais. J'ai jamais joué d'ailleurs à Meat Boy, faudrait que je le fasse, un de ces quatre. Ok. Wait, stand still to create save signal. Ok. Donc on sauvegarde comme ça. Non, comme ça. Oh, ok, d'accord. Merde. Merde. Ok. C'est juste le sang, ouais, mais sinon c'est pas... Ok, j'aime bien pour l'instant, mais c'est un peu particulier, hein. Non. Je peux me faire... Ah, j'ai 3 cœurs, oh là là. Non, non, non. Putain, faut se faire à la portée de l'arme, en fait. Ok. Donc, alors, comment est-ce que ça pourrait être intéressant de faire le... Pour avoir du style, là, comme ils disent. J'aurais dû le... Je ferais que je... Ah merde. Ok. Je me demandais s'il y avait pas, il fallait pas le pousser sur les pics ou autre. Checkpoint ready. Donc je peux sauvegarder si je veux là en fait. Ok. Donc c'est sauvegardé, d'accord. Oh. Matrix. Ah. Mon de Dieu. Ouf, c'est joli hein. C'est très la classe mais ça fait un peu peur aussi. Sauvegarde s'il te plaît, ça m'arrangerait. Faut rester debout pour sauvegarder. Voilà. Il est vénère. Oh, il a un shield ce con. Bah tiens. Non non non. Non non non. Dieu. C'est vraiment particulier. Hein. Ah, ça glisse ici, ok, d'accord. Ah, ouf, ok. C'est vraiment spé, hein. Bon bah ça a pas l'air de drop, j'ai l'impression que là, relancer le la 4G a été bénéfique. Sauvegarde. Les sigils c'est de l'énergie, au moins c'est un truc pour ça. En fait tu vois le... Ah merde, mais je suis pas... J'ai oublié de revenir moi. Tout en haut là, l'espèce d'épée là, qui est tout en haut.
C'est de l'énergie, j'ai l'impression que c'est en... Je sais pas si c'est ça. Merde. Ou si c'est les... Je pense que c'est un peu tout. Et quand ça arrive au bout, en fait, on peut sauvegarder, mais n'importe où. Ouais, comme Ori, exactement. Comme Ori. Ok, je peux contrôler la descente, d'accord. Oh oh. Ça glisse. Non mais... Ils font chier avec leur shield là. Avec leur shield d'Eric. Voilà, dégage. Ah, d'accord. Et puis il y a des. Il y a des. L'espèce de document là, à mon avis, c'est pour faire le 100% en fait. Ouais. Oh, ok. Là, je peux pas. Ok. Je vois pas trop comment le faire en fait. On voit les cadavres en bas. Je vois pas trop comment le faire parce que... Je peux faire un double saut. Ou alors... Ah voilà, il faut utiliser l'inertie en fait. Ah! Oh non! Ok. Ah, checkpoint ici, s'il te plaît. Merci. Merci, Avia. Non! Prends ça! Ça n'a pas marché comme je voulais. Voilà. Tu perds des points en moins aussi. Ah, j'ai pas vu. Les pints, c'est la monnaie. Ouais, c'est... Ouais, ça doit être... ouais, ouais. Dégage. Et ça file du style en fait, c'est ça le truc. Oups. Non, non, non. Tiens. Donc plus on bute les mobs dans, en style, avec du style, et plus... Ah. Ok. Et plus on a de points. Ça doit être intéressant de... De regarder un speedrun de ce jeu-là. Je fais n'importe. Ok, ça a l'air bien là. Je remonte un petit peu la qualité. Doucement. Mais sûrement. Ok. Bon, après, je pense que c'est pas. C'est pas forcément un jeu... Oh putain... LOL. Ok, je vais pas essayer d'aller la chercher là... Quoique... Normalement on devrait pouvoir... Voilà... Ah non!
trop abusé. Coucou Marc, comment vas-tu? Bienvenue. Oh là là! Oh là là, merci beaucoup pour le host. Ah merde, le fail. Non. Ouais. Ça va bien, Marc. Oh là là. Ouais, bah va-t'en. Je t'aime pas. Oh. Ça va, pour une fois, je suis pas écroulé de mort de fatigue dans mon lit. Ah. Eh ben, tant mieux. Tiens. Voilà. Ok, allez, on se la fait mieux. Ah. Oh. Non. Oh putain. Comment c'est chaud. Chier. Ah là là. Ça me fait mal au cul. Plutôt littéralement d'ailleurs. Tiens. Oh putain, j'arrive pas à aller sur... C'est un truc de ouf. Ouais, d'accord. Ah, j'adore. Oh là là, non, il dit qu'il passe. Allez, je... merci beaucoup d'être à 6 mois... Oh là là, 6 mois de Neutral Hub. On se fait 6 genre Neutral. Merci énormément. Ça fait 2 et 3. Et Neutral qui dit 4. J'ai pas le temps de regarder ton stream malheureusement, mais je sais pour la beubarde de Viking. La bisel qui est beau stream demain. 5, je sais que tu as un truc de prévu avec la Haza Family, tout à fait, merci beaucoup. 6, merci Natral pour ton resub. Gogo, gogo spam le chat, effectivement. Marc, au taquet, nickel. Et donc, oui, effectivement, j'ai, comme je disais en intro, j'ai demain il y a Ninja à 15h, de 15 à 18, et ce sera avec Siraza. On fera un petit coop sur Spellbreak et ce sera suivi de la découverte de Death Trap en coop aussi avec lui depuis le temps qu'on voulait faire ça. Donc voilà, et désolé que tu ne puisses pas rester neutral, mais des bisous à toi. J'espère que tout va bien. Voilà. Marc Otaku ? Non, Otake ? Otake. Ok, on va y arriver là aussi parce que... Là, non mais ça va pas. Non mais ça va pas. Non mais ça va pas. Attends, je le redis encore. Il faut que je le dise 10 fois du coup. Non mais ça va pas. Neutral. Nicalor de GG, 4 mois de sub. J'aime live, 2 mois, GG à toi. Coxic, 1 mois. Coxic, c'est qui? Ryu, 7 mois, GG à toi. Merci, merci, notre NJ, 2 mois. Falnek, 6 mois, donc ça fait 2, 3, 4, 5. 6 pour Falnek et Gogo Spam le chat. Topalgic 1 mois. Krimari 3 mois. Fouloub. Fouloub 3 mois aussi. Genre, je peux pas m'arrêter avant la fin, c'est pas possible. Et Acid Cherry pour 1 mois aussi. Merci énormément, Neutral. Qui vient de balancer 10 subs de barge, voilà. Il va falloir que ça finisse là. Mais non.
Elki, je crois pas que tu devrais faire ce mouvement, ça doit être painful. Avec un trou dans le bas du dos, c'est plutôt... ça va. Je me casse et je vous dis bonne nuit comme après. Mic drop. Merci énormément, Neutral. C'est bon, tu m'as fait faire mon sport pour la journée, là. Merci énormément. Salut à toi, Elkinou. Un grand merci pour le sub. Bah, c'est Neutral qu'il faut... Et coucou, j'aime live. C'est Neutral qu'il faut remercier. Je regarde Tardif de Gabriel la dernière fois, j'avais pas pu suivre, j'avais une coupure d'électricité générale. Ah merde, ça arrive. Ok. Alors, on essaie de récupérer la feuille. On va pas le faire à chaque fois parce que c'est un peu lourd de récupérer ces trucs-là. Puis c'est pour les gens qui veulent faire le 100%, ça. Ce qui est pas mon cas en général. Voilà. Voilà. Ok. Ok, donc là, on va faire... Oh ! Ok. Yeah ! Sauvegarde. J'ai ma voisine qui a plus d'électricité depuis ce matin. Et toi, t'en as ? C'est pas de bol pour elle. Je t'en prie la prochaine. Bah écoute, ça marche. N'oublie pas, mois d'octobre, que de l'horreur, notre hub. Si jamais t'es dans le coin, n'hésite pas à passer. Désolé, je parle pas beaucoup sur les chats, mais je suis là. Non, t'inquiète, j'aime live, y'a pas de soucis. Les lurkers sont les meilleurs, hein, comme souvent. C'est le. Au final. Sur beaucoup de communautés, dans beaucoup de communautés, les lurkers, c'est la plus grosse proportion de la communauté au final. Et pour ça, des fois, il y a 20 personnes sur la chaîne, et il y en a que 2 qui parlent. Parce que il y a plein de lurkers. Et. C'est tant mieux. Non, j'ai pas d'exercice, c'est pour ça que je suis sur le stream depuis mon PC. Bah oui, non, mais. Oui, mais c'est bizarre qu'elle, elle en ait pas et que toi t'en aies. Voilà. Ok. Tac tac. Non. Voilà, tu meurs, c'est bien. Descends tranquille. J'aimerais bien qu'on ait un dash aussi. Un dash 2 en 1, évidemment. Oh oh. Ça va glisser, chef. Ça va. Ah ouais. J'aime bien faire ça. Yes, checkpoint. Ah, ça saigne, hein. T'as raison, par solidarité, je vais couper mon compteur. A plus, Marc. Elle vient d'acheter son appartement en plus. Elle a peut-être pas payé ses factures, ou alors peut-être qu'elle a les plombs qui ont sauté et elle sait pas trop comment allumer le disjoncteur, hein. Ça serait possible aussi. Checkpoint. Ok. Vous en pensez quoi de ce jeu? Par que la musique, elle, je la trouvais sympa, mais là, elle m'agace. Moi, j'aime bien sinon. Ah la vache! Joncteur, je valide. Oh merde. Je me foutais de la gueule du truc qui vient d'exploser, mais j'ai pas mis en fait. Oh là, c'est chaud là. Ah bah oui. Dis donc, ça a changé Super Meat Boy. Coucou
Coucou Archie, comment vas-tu? Ça a vachement changé, hein. Comme disait Avia, c'est super mid girl. Oh putain! Ça fait vachement penser à. Comment ça s'appelle Céleste? Au niveau des graphismes, je trouve. Enfin, Céleste est sorti après, hein. Ce jeu-là, il est quand même. Il a quand même. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, tiens. Sorti quand celui-là? Mais il est pas mal. J'aime bien. Bien fait. Bon, ça redrop. Je vais rebaisser un peu. 2012 quand même. 2012 quand même. La 4G, je suis dans la colle aujourd'hui. Désolé, hein. Hop. Le jeu a l'air super frustrant en fait. Bah c'est... Ouais, c'est un Die and Retry. C'est ce qu'on appelle un precision platformer en fait, Twista. Donc effectivement, le but c'est de... Le but c'est d'apprendre en fait. Tu fais les niveaux et t'apprends à pas crever. Comment je fais pour passer là? Ah ouais, si je suis pas sur les pics, ok, ça... D'accord. Ben nickel. Comme ça. Ah! Ça glisse! Oh la vache! La 4G chute dans la colle, c'est une formule magique ou bien? Bah faudrait demander à Harry Potter, mais je pense pas. Ça serait bien. Non, là. Voilà. Ok. Oh. Oh la vache. Oh la vache. Non, non, non. Wouhou. Fin du level, j'imagine. Bah pour un premier niveau, Ah. Ah non, je crois qu'il avait planté. La vache. Mais après, moi, ça me... Vu que je m'en fous du 100%, ça m'intriguerait de le faire juste pour aller jusqu'à la fin et voir l'histoire et potentiellement quoi. Mais c'est vrai que ça a pas l'air d'être facile. J'aime le fait d'envoyer les ennemis sur les pics. Ouais, moi aussi j'aime bien ça et je me dis qu'il va y avoir pas mal de trucs sympas à suivre en fait. Enfin, et quand je disais que ça ressemblait à Céleste, hein, de loin, parce que c'est pas, absolument pas le même gameplay, même si c'est le même principe, dans le sens où il faut passer le niveau... Le début à la fin, et essayer de récupérer les... Dans celle-là, c'est les fraises, je crois. Alors, ce que je pense déjà, c'est que j'y jouerai jamais parce que ça vient d'avoir en 10 secondes. Ouais, c'est ce genre de jeu. C'est un jeu à rage. Non, je suis mort, encore mort. Ah, pourquoi je suis mort? Parce que... Je me rappelle un jeu du style Meat Boy, et tu jouais un ours, puis il fallait sacrifier pour créer des plateformes avec ton corps. Ça me dit quelque chose, Serania, ouais. Mais avec des chevaliers. Il y a un jeu comme ça que j'avais découvert il y a pas mal de temps. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Avec des chevaliers que tu suicides pour pouvoir effectivement avancer. C'est pas un jeu pour moi non plus. Ouais, je peux comprendre. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas un jeu à mettre dans toutes les mains, je pense. Quelle heure il est? Ok, on va continuer un petit peu. On passera sur République A22. Oh là là.
Mais faut pas l'enterrer, c'est un livre qu'il faut brûler pendant qu'on fait le sacrifice d'une chèvre, voyons. Stand upright on your legs a while, stand upright while you can, for soon will I wherever he is laid, and he is underground. Ok. Peu importe ce que ça veut dire. Ok. Alors oui, les cinématiques sont plus petites parce que la résolution des jeux est un peu bâtarde. Elle est... Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de vrai plein écran. Ah oui, quand même. C'est quoi ça? Ok. Voilà, bah dégage. C'est plus ou moins la même chose avec les plateformes. Oui, voilà, bah, c'est un peu le même trip, effectivement, mais dans Celeste, il n'y a pas de fight, en fait. Là, l'originalité est dans le fight. Tout ça, nous, on est des fragiles, viens, et on va pleurer en boule derrière le canap, lol. Mais non, pleurez pas! Petite question, est-ce que c'était bien The Guest? Je me tâte à le faire. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Attends, The Guest. Oui, j'ai bien aimé. Un peu court, je crois. Il me semble... Attends, je vais pas dire de bêtises, regardez rapidement. Les guests. 5h30. Tu vois donc tu t'engages pas non plus à un jeu qui va durer 10 ans quoi. Donc non, c'est pas mal. C'est du Walking Simulator avec un peu de recherche quand même. Oh, pardon. Comment je fais là? Bah on fait comme on peut, bah c'est-à-dire pas comme ça. Ah oui d'accord, je recommence d'ici carrément. Ah, la bombe déclenche le... Ok, je vois. Ah mais non! Oh! Ok, la bombe il déclenche le... Mais putain! Le levier, voilà. Je trouvais le mot. Voilà. La bombe déclenche le levier, paf, ça ouvre le truc. Oh! Mais non! Alors je dis pas que le jeu est pas maniable, mais c'est pas ma maniabilité à moi. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Mais non, pourquoi? Il était sur les pics. Ce spouche de la scie, ouais, j'aime bien. Dégage. Oh merde. Je m'en tape deux maintenant. Voilà. Oh non! Voilà! Oh Dieu, bah alors là, comment je fais pour y aller? Je peux pas? Faudrait un dash? J'ai pas de dash. Dash 2 en 1. Oh, j'avais pas prévu ça! Mais c'est bon, ça marche! Je l'ai pas fait exprès, hein. Je vous promets. J'ai eu un achievement pour ça. Non. Ah non, non, non. Ok. Mmh.
Ah non, 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 non. J'étais arrivé, j'allais sauvegarder. Il avait encore le petit orteil sur la plateforme, ouais. Aïe. Oh. Abusé. Fais Dyrester. Dyrester, il est bien, ouais. Mais The Guest, il est bien aussi. Oh. Moi, je conseille The Guest, hein, quand même. Vraiment, ouais. Ben, si tu l'as, pas hésiter, quoi. Ok. Tranquille. Ok. Là, le truc qui pue, c'est-à-dire que je peux sauvegarder en fait. Ouh! Dégage. Va mourir. Va mourir. Va mourir. Wow, 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 wow. Oh, la réaction en chaîne qui fait mal. Aïe. Ah. Sauvegarde, ouais. Non, 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 ça glisse. Ah. 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 Pff. Il me faut un petit jeu d'horreur, je vais peut-être faire ça. Non, c'est... Enfin... Non, c'est pas un jeu d'horreur. Non, c'est pas un jeu d'horreur, The Guest. Je le mets pas dans la catégorie horreur parce que... Non. C'est un jeu, c'est peut-être un thriller, on va dire, mais... Oh putain! Ce jeu est sanglant, oui. Oh là là! Oh mais arrête! Oh. Non, non, non! Hop! Un thriller. Pardon, Twista. Un thriller. Oh, oh mais sérieusement. Oh. Oh. Aïe. Un thriller. Pardon. Ah, Michael Jackson des années 80. Ok. Ah! Non, aïe, aïe, aïe. Dégage. Sauvegarde là, voilà, merci. Ouh. Ok, alors là, il va falloir... non. Comment je vais là-haut? Ouais, comme ça. Aïe! Un thriller avec des zombies dans la chanson. Non, mais non. The Guest, c'est un truc d'enquête. C'est un truc qui est un peu... C'est un peu mal... Enfin, c'est même pas malsain. C'est un peu... Comment dire? C'est un peu sombre, voilà. Mais non, c'est pas un jeu d'horreur. Je le redis encore. Pas un jeu d'horreur. Je le redis.
Dégage. C'est pas un jeu d'horreur. C'est vraiment pas un jeu d'horreur. Oh là là, il est à côté le truc. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. J'ai encore pas mal de vidéos à regarder de Alone in the Dark et d'autres, je suis à la bourre. Ah oui, bah c'est vrai que c'est ce que Mu disait des fois aussi. Je produis plus vite que ce qu'il a le temps de regarder. Après, y a pas le temps de. Enfin, si. Vous êtes pas aux pièces quoi. Ah! Non. Je vais sauvegarder là. Voilà! Ah, ta mère! Pour ceux qui s'intéressent, SLC va sortir un nouvel album et non, il n'y a pas Axel Rose de Chant. Ah, ça peut être intéressant alors. Mais pourquoi tu parles d'Axel Rose? Parce que si tu disais bon, il y a Metallica qui sort un nouvel album mais Kurt Cobain n'est pas dedans. Hein? Les boules. Ah on peut pas. Ok. Bon c'est pas facile ce passage là. Oh la vache! Oh! Ouf! Oh! Oh! Parce que Axel Rose a repris pour ACDC un intérim. Axel a chanté dans le groupe pendant les 20 derniers concerts la dernière. Ah bon? Ah bah attends pour moi alors! Alors ça, j'en ne savais pas. De toute façon, j'aime pas ACDC et j'aime pas Guns N' Roses donc. Oh là là, il y a des trucs qui font bobo là. Ok. Brian Johnson, je sais pas qui c'est. Ouais, non, mais alors ça va pas être facile là. Comment on fait là? Ah, il faudrait déclencher les trucs en bas là. Brian Johnson, c'est le chanteur de la CDC depuis 4 ans. Ah oui, d'accord. J'ai Steve sur YouTube qui stream tous les matins pour environ 3 heures, mais j'ai pas nécessairement le temps d'écouter son vidéo archi tous les jours pendant 3 heures d'installation, mais j'ai plusieurs épisodes de retard sur ses playthroughs de Pokémon Mystery Dungeon. Bah ouais, ça arrive, c'est rien. T'as 97 vidéos, non t'inquiète c'est pas toi, c'est les bandes annonces de jeux, etc. C'est que j'ai regardé, genre, pas... Oui non mais je sais bien, j'aime la de toute façon, voilà. Tant qu'il y en a, il vaut mieux l'avoir d'avance que ne plus en avoir, on est d'accord. Après hein, moi comme je le dis souvent, YouTube je m'en sers pour archiver plus que pour... Je monétise pas donc... C'est clair après on s'en dit voilà. Alors je sais pas comment faire. Ah, je peux peut-être faire ça. Mais... je ne vois pas. Comment faire? Si je tombe sur les pics, c'est mort. Hein. Mais ouais, désolé, hein, j'ai jamais pu blairer ni ACDC ni Guns N' Roses en fait, donc je sais qu'il y a énormément de fans. Mais et Guns N' Roses, moi, ce qui m'énervait, c'est la voix d'Axel Rose. Et dans ACDC, ce qui m'énervait, c'est que c'était tout le temps la même chose.
Ça se trouvait que les morceaux se ressemblaient tous trop. Mais après, voilà, question de goût. Sinon, par contre, Elkino, dans un groupe de musique, le truc où tu tapes avec les baguettes, le type c'est un batteur et celui qui se coule la main sur les cordes, c'est soit un bassiste, soit un guitariste. Ah, ok. Merci. J'osais pas demander en fait. Bah, du coup. Elkino, trop fan de Run DMC. Ah, bah je préfère Run DMC, ouais. Je préfère Aerosmith. Je ne sais pas comment on peut faire là. Hormis comme ça. Mais c'est tellement chaud. Je voulais précommander la PS5, j'ai entendu ça la dernière fois. Non, j'avais mis des sous de côté pour l'acheter, au cas où. Mais je la précommanderai pas, non. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ce sera peut-être un truc que je m'offrirai quand il y aura. Quand il y aura une raison, voilà. Genre Bloodborne 2, par exemple. Non, je veux pas me prendre la tête avec ça. Pour l'instant, en tout cas. Je suis désolé, mais là, je vois vraiment pas comment on peut passer. Coucou, Frix. Pas grave, LT, personne n'est parfait. Bah ouais, toi, t'aimes pas Wade non plus. Tu vois. Ou alors, on fait comme ça. Tout simplement, en fait. Je suis con, moi. Ouais, enfin, faut mieux le faire, quoi. Voilà, comme ça. C'est tout, en fait. Par contre, il faut quand même retomber sur le... Faut quand même réussir à déclencher les bombes en fait. Merci Avia. Ça va bien Frix? Donc faudrait réussir à faire... Ok. Si je fais par exemple... Ouais. Oh, c'est chaud! C'est un jeu de plateforme, ouais, mais pas que. Il faut que je... Ok. Non. Mais pourquoi ça passait tout à l'heure et ça passe plus maintenant? Ah, il faut le pousser en fait. Il faut le pousser... Il faut lui donner un coup de pied pour le balancer vers la gauche. Non. Chiotte! Crève! Non! Ouais! C'est quand il prend goût? Non! Aïe! Oh là là! Non! Ok. Aïe! Aïe, j'ai dit. On peut faire des dérapages. Dégage. Oh non. Ouais, j'ai sauvegardé, t'inquiète.
Ah oh bah. Non, 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 non. Non. Oh, j'ai de la merde. Faut remplir les bassins de sang. Ça serait bien, mais non. Regarde. Ah non, je oh là là. Comment je fais là? Oh là là. Faire gaffe. Ah bah oui. Ouh. Non. C'est un peu vilain là. Parce que... Ah là là. Ok, moi bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal pour une petite découverte là quand même. Et puis... Et puis on y retournera plus jamais. Ah là là. Non, pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout comme petit Diane Retry action platformer avec plein de sang. C'est cool. J'aime beaucoup les graphismes en tout cas. Je pense qu'on va arrêter au moment où je risque de devenir dingue. C'est ça, exactement. Exactement, Marc. Tu as tout à fait compris. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino avec la découverte de The Bleed Pixels. Merci encore à Lumicode qui malheureusement n'était pas avec nous ce soir pour la découverte. J'espère qu'il regardera la rediff. Des bisous. Merci.